Hello, welcome to my mom and sexy channel. J'espère que vous allez bien par ce beau temps ensoleillé, que vous n'avez pas eu trop d'orage. Pour moi, ça a été pour l'instant, pourvu que ça dure. Donc je vais faire aujourd'hui un petit haul Shein. J'ai commandé des nuisettes, je sais que vous adorez ça. J'ai pris des nuisettes satin, mais pas que, parce que satin, c'est le top. Donc j'en ai commandé 6. On va commencer tout de suite par une petite nuisette blanche en satin. Donc voilà, enfin je sais pas si c'est du vrai satin, mais voilà, en effet satin en tout cas. Avec un petit col dentelle à l'arrière et petite dentelle ici sur la poitrine aussi. Elle est très jolie et très souple cette dentelle, donc elle a l'air vraiment agréable à porter. Voilà, je trouve que ça fait une belle petite nuisette blanche comme ça, bien bronzée après cet été. Ça peut être canon. Donc je vais l'enfiler et je vous montre ça tout de suite. Alors, comme d'habitude, elle est bien évidemment un peu juste à la poitrine pour pas changer. Donc voilà. Mais elle est très très jolie. La taille est pile poil, je trouve, ce qu'il faut. À l'arrière, ça remonte toujours, forcément, moi, avec ma poitrine. Mais le col, je ne sais pas ce que ça donne. Ça a l'air plutôt pas mal. Bon, mis à part le fait qu'elle est un peu... voilà, un peu... juste à la poitrine. J'arrivais plus à trouver mes mots. Je trouve qu'elle est, elle est plutôt jolie. Après, ça ne met pas forcément la poitrine en valeur. Je trouve que ça se met fort sur le côté. Donc voilà. Ensuite, je vais mettre cette petite nuisette rouge qui, elle, a l'air vraiment sublime, sublime. Un peu courte, j'ai l'impression, mais très jolie avec l'effet de dentelle ici dans le fond qui rappelle la dentelle sur la poitrine. Ça va me sembler un peu juste, encore une fois, niveau poitrine. On va voir ça, mais très jolie. En plus, les prix sur Shein sont vraiment... très très, c'est 5-6 euros les nuisettes, c'est vraiment, ça vaut vraiment trop le coup. Et la matière a l'air super agréable, donc on va essayer ça tout de suite. Alors pour une fois, j'ai attaché mes cheveux parce que franchement, là il fait une chaleur. J'avais mon ventilateur, mais je l'ai éteint parce que sinon en vidéo vous l'auriez entendu, donc ça n'aurait pas été top top. Donc là, on vient avec la petite nuisette rouge transparente. Donc j'ai ma culotte du jour en fait, parce que je n'ai pas envie de chercher après une culotte rouge. Mais de préférence, mettez un string rouge avec cette nuisette, ça sera plus joli. Surtout qu'elle est assez courte. On a toujours le même problème à la poitrine, c'est toujours un peu juste. Pourtant, j'ai pris du L, je pense, mais mon Shein, sa taille petit. Mais sinon, elle est très 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 jolie, je trouve. Après, j'ai toujours le problème qu'avec le maintien de ma poitrine, devant, ça fait toujours plus long que derrière. C'est très très chiant, mais c'est comme ça. On voit que j'ai pris un peu le soleil. Il fait chaud en Belgique pour l'instant. Un peu partout, j'imagine. Donc voilà, ensuite on va passer à une nuisette qu'il ne faut pas forcément mettre maintenant hein, parce que c'est un genre de coton, on dirait. Par contre la matière est hyper souple, hyper agréable, je trouve ça très joli. Avec donc la poitrine comme ceci et juste au milieu du ventre vous avez une petite transparence qui va tomber juste ici. Donc on va essayer ça tout de suite et elle a l'air très 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 jolie. J'enfile ça. Alors, voici la troisième tenue et je pense qu'on est sur ma petite préférée pour l'instant. Franchement, je trouve que c'est celle qui se met le mieux niveau poitrine, niveau taille et tout. Je trouve ça très 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 joli, super agréable, super souple. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, franchement, elle est hyper hyper agréable. J'aime beaucoup beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est la tenue que vous préférez. Mais moi, pour l'instant... j'ai un petit coup de cœur pour celle-ci. Elle se met vraiment, vraiment très très bien. J'aime beaucoup la matière, c'est hyper hyper doux. Voilà, voilà. N'hésitez pas aussi, si vous voulez voir plus de vidéos, à checker my Patreon. Et si vous voulez me faire des petits cadeaux et que je porte les vêtements que vous voulez que je porte, des choses que, un peu spéciales ou quoi, n'hésitez pas à checker ma wishlist Amazon ou à m'envoyer vous-même par Amazon ce que vous voulez que je porte. Alors ensuite... on va prendre une petite noire qui est une coupe complètement différente, mais par contre qui est la même matière. Ça a l'air superbe aussi. Peut-être un peu plus court, quoique très 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 joli, avec un grand dos comme ça nu. Une bonne partie en tout cas, et un grand col en V. Ça peut être très 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 joli. Je vais essayer ça tout de suite. Et
ben, je pense que nous sommes sur un deuxième coup de cœur. J'aime trop, mais ces nuisettes là, avec ces matières, je trouve que celle-ci, elle est nickel niveau poitrine. Franchement, plus grand, ça aurait été compliqué. Surtout qu'ici, il n'y a pas du tout de petite attache derrière pour resserrer à la poitrine et la remonter. Donc je pense que c'est vraiment la taille qu'il fallait. Je pense que c'est du L aussi et je suis trop contente. Franchement, je la trouve trop belle. Un peu vintage avec des petits pois ici sur la transparence. J'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous pensez, mais franchement. Et pareil, encore ce petit, ces petites matières toutes fines. Et alors ça va parce que c'est pas trop... La différence n'est pas trop longue devant et trop courte derrière. Ça se met vraiment bien. Ouais, et ça maintient quand même assez bien la poitrine. Moi qui ai une forte poitrine, franchement. J'aime bien celle-ci. Très jolie. Ouais. J'aime beaucoup. Après, pour ceux qui me connaissent et qui suivent mes hauls, vous savez que j'aime beaucoup le léopard. Donc j'ai trouvé quelque chose en satin, un petit ensemble. Donc on a le peignoir. Voilà, petit ensemble satiné. Et nous avons ensuite la nuisette. J'ai carrément tout l'ensemble. Et cette couleur de léopard. Non mais on en parle. Magnifique. J'aime trop ce petit rose bleuté. Alors je pense pas que c'est la nuisette qui va me poser problème. Après le peignoir, je pense que ça va être nickel. On va essayer ça tout de suite, mais je trouve ça. Les couleurs sont très jolies. Parce que le léopard, c'est ça passe ou ça casse. Mais alors là, j'aime beaucoup de motifs. J'enfile ça. Alors là, je suis archi méga déçue, ça ne va absolument pas à la poitrine. Ça déborde ici, ça déborde de là, ça déborde ici. Là, je sens ma poitrine, alors que la séparation de la poitrine est juste ici. C'est une catastrophe, bon, pour la taille. Après, pour la nuisette en elle-même, elle était très jolie. Bon, je crève de chaud, me changer, là, c'est une catastrophe. Mais c'est dommage, parce que franchement, la nuisette était canon. On va essayer le petit peignoir, mais je suis sûre que le petit peignoir... À mon avis, il allait être top. C'est vraiment la nuisette, c'est toujours mon souci. Voilà, c'est ce que je disais. Hein. Le peignoir, c'était nickel. Alors, soit je garde juste pour le peignoir, ou soit je rachète une taille au-dessus. Bon, et là, il faut que je le mette. Mais bon, le peignoir, voilà, ça allait sans souci. Hein. Mais la nuisette, c'est vraiment pas possible, quoi. Ah, je suis dégoûtée! C'est vraiment pas possible. Après le satin, c'est pas évident. Pour les garder. Et les couleurs, elles étaient canon. Je suis deg. En plus, ça allait bien qu'on vernis, je trouve. Ah, je suis déçue. Je suis archi déçue. C'était trop joli. Soit je recommande, soit je garde juste le peignoir et la nuisette, je la donne. Parce que j'aimais bien le peignoir. Ah, je suis déçue. Bah, c'est comme ça. Je m'en doutais un peu hein, quand j'ai vu la taille, mais bon, voilà. C'est vraiment très dommage. Alors, ensuite, dernière nuisette. C'est du noir, encore. Par contre, il n'y a pas d'attache à l'arrière. Ça, c'est assez embêtant. Ça veut dire qu'on ne sait pas remonter les bretelles. Vu ma poitrine, c'est un gros problème. Sinon, j'aimais beaucoup le... C'est la matière comme l'autre, un peu coton. Mais avec un effet portefeuille dentelle. Donc, je trouvais ça très classe, voilà, comme ceci. Mais à mon avis, celle-ci, c'est mort, tout simplement, parce qu'il n'y a pas d'attache pour remonter la poitrine. Donc, je vais l'essayer, mais à mon avis, celle-ci, ça n'ira pas. Je crois vraiment que mon coup de cœur, pour l'instant, je ne sais pas vous, mais moi, c'est la noire et la rouge que j'ai essayé juste avant cet ensemble. Donc, voilà, j'essaye celle-ci. Alors voici pour la dernière nuisette et franchement je suis plutôt contente. Je ne pensais pas qu'elle allait aussi bien donner avec l'histoire de bretelles, mais les bretelles n'ont pas été trop longues. Donc du coup elle se met, je trouve, pile poil. Je suis en train de suer, vous n'imaginez même pas. C'est une cata. Sinon la matière, c'est la même matière que la rouge et la noire. Franchement ces matières là, elles ont été nickel. Je crois que c'est celles qui ont été le mieux. Et en satin par contre c'était pas le top cette fois-ci. Mais là le petit effet ici... Je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais je trouve ça très joli. Juste la moitié comme ça, avec un petit string noir. Il n'y en avait pas avec, mais ça, j'en trouverais bien un dans ma garde-robe. C'est pas un souci. Et franchement, oui, je suis très contente. La matière est vraiment très jolie. J'aime beaucoup.
Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle a été votre tenue préférée. Moi, je crois que vous l'aurez compris, c'est la rouge, la noire et peut-être même un peu celle-ci. Franchement, sur les 6, je crois que c'est les 3 que j'ai préférées. La rouge peut-être toute transparente aussi. Mais vraiment, les 3 qui se mettaient le mieux, c'était celle en coton. Celle qui ne vaut pas du tout pour la période de maintenant, vu comment il fait chaud. Mais voilà, c'était les 3 que j'ai préférées. Donc dites-moi en commentaire lesquelles vous ont plu. Donc avec un peu de chance, vous allez avoir plus de vidéos parce que YouTube commence enfin à monétiser mes vidéos. Alléluia! Donc voilà, pourvu que ça dure, donc si ça dure, là pour l'instant, j'ai essayé de poster une vidéo semaine, à part que YouTube doit valider mes vidéos maintenant, donc du coup ça prend plus de temps, parce que je vais en mettre d'avance quoi. Donc voilà, j'espère que ça va continuer comme ça, ainsi tout le monde est content. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!